There was an old woman who lived in a shoe. Il y avait une vieille qui vivait dans un soulier. She had so many children, she didn't know what to do. Elle avait tant d'enfants qu'elle était dépassée. She gave them some broth without any bread. Elle leur a donné du bouillon, mais pas de pain, pour aller manger. And whipped them all soundly and sent them to bed. Elle les a envoyés au lit avec une bonne dégelée. There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread and whipped them all soundly and sent them to bed. Dans une forêt enneigée, au milieu d'une clairière se trouvait une moufle. Une moufle rouge, en laine, bien chaude et douillette. D'entre les arbres, sortit une souris. Une petite souris frigorifiée par le froid qui cherchait un endroit où dormir pour la nuit. Elle vit la moufle et décida de se faufiler dedans pour y dormir. Mais pas pour longtemps. Car ensuite, sortie de la forêt, une grenouille croit en sautillant. Elle aussi cherchait un endroit où dormir pour la nuit. Elle vit la moufle. Croit, qu'est-ce donc ça? Bonjour Madame Souris, est-ce que je peux me joindre à vous? Oui, pas de souci, viens. Elles étaient maintenant deux dans la moufle. Elles s'endormirent, mais pas pour longtemps. Vient ensuite un lapin blanc. Lui était très poli et discret. Il s'approcha de la moufle doucement et demanda très poliment. Bonjour mesdames, puis-je me joindre à vous pour m'abriter? Il fait très froid dehors. Oui, lapin, entre, pas de souci. Le lapin se faufila dans la moufle. Ils étaient maintenant trois. La moufle était bien remplie et ils s'endormirent, mais pas pour longtemps, car ensuite, d'entre la forêt, vint le renard. Le renard qui n'avait pas trop envie de manger aujourd'hui, il s'approcha de la moufle, vit le lapin, la grenouille et la souris. Il hésita à les embêter un peu pour en faire son dîner, mais il préféra dormir. Il fallait qu'il se repose pour sa journée de demain. Bonjour, est-ce que je peux me joindre à vous? La souris était un peu méfiante quand même, car les renards sont bien connus pour manger les lapins, les souris et les grenouilles. Mais ils acceptèrent. Le renard se faufila dans la moufle. Ils étaient maintenant quatre. Ils s'endormirent, mais pas pour longtemps. Ensuite vient un loup qui était déprimé. Il avait faim, il voulait se reposer. Ça fait des heures qu'il marchait dans la forêt à la recherche d'un abri et il n'avait pas le cœur à chasser son dîner. Il vit la moufle et tout ce petit monde à l'intérieur qui dormait. Il gratta pour réveiller tout le monde, pour demander s'il pouvait se joindre à eux. Bonjour, est-ce que je peux dormir avec vous ce soir? Le lapin d'un coup se réveilla et vit le loup. Un loup! Tous les animaux dans la moufle se réveillaient en sursaut. Un loup! Bonjour, je peux dormir avec vous? Répéta le loup. Ah non, dit la souris. Tu vas nous manger. Oh non, je suis trop triste pour ça aujourd'hui. Je vous promets de ne pas vous manger. Se regardèrent, hésitant. Bon, d'accord. Croit, dit la grenouille.
Et le loup se joint à eux. La moufle avait maintenant pris une bonne taille. Elle avait un peu grossi. Et ils s'endormirent. Ils étaient maintenant 5 dans la moufle. Mais pas pour longtemps, car ensuite vient un gros ours, un peu balourd, très maladroit, qui lui aussi cherchait un endroit où dormir. Il vit la moufle. Tiens, qu'est-ce donc ça ? Il passa la tête à l'intérieur et vit les 5 animaux endormis. Et si je me joignais à eux ? Alors l'ours, sans demander à personne, passa la tête, les épaules, le dos et les fesses dans la mouffe. Il écrasa tous les autres animaux et prit toute la place. La moufle était maintenant énorme. Tellement énorme qu'elle n'était pas loin de craquer. Ils s'endormirent tous. Ils étaient maintenant 6 dans la moufle. Et ils dormirent assez longtemps. Lorsque discrètement s'approcha une petite souris, une petite fourmi. Très discrètement, vu qu'elle était toute petite, elle se faufila dans la moufle. C'était de trop. La moufle soudain se déchira. Crac ! Badaboum ! Tous les animaux se retrouvèrent dans la neige. C'était un peu violent comme réveil. Ils se regardaient tous abasourdis et se rapprochèrent les uns des autres pour se réchauffer.